Voici le 4x4e et dernier numéro de Précaré, la revue théorique et critique des éditions PCCBA consacrée aux bandes dessinées. Pour ce numéro dense, richement illustré et plus épais que d'habitude, on retrouvera LL de Mars avec Dessiné, appareil de notes, Lucas Taïeb avec J'avais compris que la BD, Loïc Largier dans Faire obstacle, le dessin invisible n'existe pas, Guillaume Massard avec On peut entreposer pas mal de trucs ici, c'est pratique, Julien Meunier dans L'hypothèse amoureuse sur les lettres d'amour infinies de Thomas Gosselin, Asemic Walks de Alexandra Achard, Cédric Trogoff dans son article Relire Daddy's Girl de Debbie Dreschler, Maxime Hureau avec Sortir du bois, une proposition de lecture bioculturelle de Comment dresser un cheval de Ronald Grandpé. Vous retrouverez également les expérimentations plastiques qui caractérisent nos rubriques, avec des palimpsestes de Loïc Largier sur Bernard Prince, de L'aile de Mars sur Yokoyama, les histoires vraies de l'oncle Paul, revues par Maxime Hureau pour notre rubrique Moi la main, les ready-made de William Turner dans ses carnets français, un chant contre chant par Julien Meunier sur les montagnes hallucinées de Tanabe, un éditorial du site de l'an 2 par Thierry Grunstein pour notre rubrique Qu'est-ce que la bande dessinée, et enfin quelques traversées des tableaux de Gaudenzio Ferrari pour la rubrique Dessiné, et quelques lieux communs consacrés à l'appel téléphonique.